utiliser différents véhicules en une seule partie. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à Faulty Split juste ici sur le gameplay. Et ensuite, vous allez sur le parking directement. Là, obligatoirement, vous avez au moins un véhicule qui vous attend. Donc, vous avez une voiture. Donc, vous rentrez dans la voiture et ensuite, vous cherchez un autre véhicule. Alors, il y a un autre véhicule qui se trouve juste ici, un peu plus haut. Il y aura des motos. Donc, on va s'y rendre direct. Et là, regardez juste ici. Normalement, il y a plusieurs motos. Si j'ai de la chance, voilà, parfait. Donc, regardez, il y a une moto juste ici. Il y a peut-être une deuxième moto quelque part. On va regarder vite fait. S'il y a deux motos, ce que vous pouvez faire, c'est changer de moto. Peut-être que ça fonctionnera pour le défi, hein, si vous faites un switch entre trois motos, peut-être ça fonctionne, hein, parce que c'est différentes motos, donc logiquement, ça peut peut-être fonctionner. Après, je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par différents véhicules. Si c'est vraiment une voiture, une moto et un camion, bah là, vous allez devoir obligatoirement chercher un camion. Donc là, c'est ce que je vais faire, je vais prendre ma moto et je vais chercher après un camion quelque part. Ok, donc regardez, là, j'ai été à la pompe à essence juste à côté, qui est juste ici, à côté de Faulty Split. Là, il y a deux camions qui m'attendent. Donc hop, je vais utiliser le camion et là, ben, logiquement, j'aurai terminé le défi. Donc dès que vous aurez utilisé trois véhicules différents en une seule partie, hein, faut le faire en une seule partie, ben, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code créateur SCL.